le but, c'est de permettre aux seniors d'être le plus longtemps autonome possible, seul à la maison, et aussi de soulager les familles dans le parcours santé. J'ai produit des traitements innovants comme des vaccins pour l'oncologie. J'ai même déposé un brevet sur les transports des produits biologiques. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus et je me suis dit, il faut que je rentre. J'avais toujours cette envie d'aider les autres. Je me suis dit, je peux faire quelque chose ici et qui me ressemble. Et je me constatais que ma grand-mère, elle avait des besoins. Rendez-vous chez un cardiologue ou un ORL, ça prend, c'est peut-être anodin en métropole parce qu'on prend Doctolib, on se connecte et on y va, mais ici il faut appeler et des fois il faut en appeler 5 ou 6 avant d'avoir un rendez-vous. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça pour ma grand-mère et si elle en a besoin, il y a peut-être d'autres parents, d'autres personnes qui ont besoin. Les seniors, de toute façon, ils ne sont pas tous, la majorité, ils ne peuvent pas aller sur Internet, ils n'ont pas ce réflexe. Ils peuvent toujours téléphoner et le but, c'est d'avoir un numéro unique et de pouvoir répondre à leurs besoins, que ce soit médical ou un plombier, un électricien. Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la plupart des personnes qui s'occupent des parents qui sont Alzheimer ou qui ont la Parkinson, ils sont aussi, eux aussi sont fatigués. Moi, j'ai déjà eu une cliente qui m'a dit je travaille et ma grand-mère, elle a besoin d'un service à la personne. Elle a déjà appelé plusieurs personnes, mais c'est hyper cher. Moi, j'en ai appelé 10. Sur les 10, j'ai donné le moins cher et elle a gagné 200 euros sur sa prestation.